احتفل متعامل الهاتف النقال جيزي بالعيد الرابع عشر لإطلاق شبكته، واليوم الشركة في طريقها لتصبح متعاملا رقميا مرجعيا في الجزائر. وفي هذه المناسبة أكد الرئيس المدير العام لشركة جيزي تشونزو نيسي على أن المؤسسة تعمل بوتيرة متسارعة لتغطية كامل التراب الوطني بالجيل الثالث، كما تستعد لإطلاق الجيل الرابع. للإشارة أعلنت الشركة عن خدمات وعروض جديدة تمس كافة فئات المشتركين. تفاصيل أكثر مع إيمان عايش. On a réussi à démocratiser la téléphonie mobile. Notre stratégie maintenant vise à devenir l'opérateur numérique de référence. Vise à transposer ici l'expérience que le groupe Vimpelcom a dans ses 14 filiales ici en Algérie dans la 3G et bientôt dans la 4G. Aujourd'hui, on a présenté deux nouvelles idées innovantes sur le marché algérien, qui est le e-learning ou e-madrasa, qui permet à tous les étudiants algériens de pouvoir, à travers leur accès Internet Jay-Z. L'autre, c'est le e-shop. Donc c'est le concept de permettre aux développeurs algériens de pouvoir développer des nouvelles applications, des nouveaux concepts qu'ils peuvent monétiser à travers donc le store de Jay-Z. Et donc peut-être que la prochaine WhatsApp, comme je disais, sera algérienne.